وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Aujourd'hui, subhanallah, des gens qui prétendent avoir étudié la science religieuse et prédicateurs, je ne sais quoi, quand on vient leur dire, pourquoi tu fais tel acte religieux comme ça et comme ça, donne-moi le dalil que c'est haram. Toi, la base déjà de la sunna et la bid'a, tu ne l'as pas étudié. Tu n'es pas capable de comprendre que c'est à toi de donner le dalil pour faire un acte religieux. Si à partir de là, on ne se comprend pas, on ne peut pas discuter plus loin. C'est pour ça l'imam chef, il disait, je n'ai pas polémiqué avec des savants sans que j'ai gagné. Mais jamais un ignorant n'a polémiqué avec moi sans que ce soit lui qui gagne. C'est normal, l'ignorant, il n'a pas de règles. Il ne connaît pas usul al-fiqh, il ne connaît pas les bases du Coran, des hadiths. Tu lui expliques, il ne comprend rien. Il te répète les mêmes choses bêtement. Tu lui dis, qala Allah, qala Rasulullah. Lui, il le comprend à sa compréhension à lui. Il n'a pas étudié. Tu peux parler 1000 heures avec lui, il va gagner. Vaut mieux jeter l'éponge dès le début. C'est pour ça, un ignorant, si dès le début tu lui as dit, il n'accepte pas, il faut le dire, barakallahu fik. Tu veux écouter, barakallahu fik. Tu ne veux pas écouter, le jour du jugement dernier, tu rendras des comptes. Salam alaikum. Un ignorant, tu peux parler avec lui des heures, ça ne sert presque à rien. S'il n'est pas prêt à apprendre. C'est pour ça, Allah Ta'ala dit, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Naam. C'est la meilleure manière. Naam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا